Je veux ton
Oh Seigneur. De nos chaînes de prière. Nous rendons grâce à Dieu pour le 21 jours que nous avons passé dans sa présence, dans le jeûne et prière. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont obéi, tous ceux qui nous ont suivis. Je crois que, comme dira un homme, le meilleur est à venir. Les grandes choses vont se réaliser dans nos vies. Vous savez, dans certaines choses, certaines recommandations, il faut seulement obéir. Il ne faut pas se poser tant de questions, il ne faut pas poser de multiples justifications. Mais je sais que le Seigneur est au contrôle. Et nous allons bientôt vivre ses promesses, la réalisation de tout ce qu'il nous avait promis. Alors, comme j'avais annoncé par rapport à notre thème que nous avons développé, vaincre la réclamation satanique par la prière, au moyen de la prière, nous avons compris beaucoup de choses dans ce thème. Nous avons eu pas mal de sous-thèmes. Nous avons eu pas mal de sous-thèmes dans ces enseignements qui ont fait du bien à plusieurs d'entre nous. Le tout que Dieu te bénisse, je suis ravi de te voir parmi nous. Alors, chers amis, nous avons dit que j'aimerais d'abord relire le passage parce qu'en fait, je voulais changer de thème, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui me retient chaque fois que j'essaie de d'abandonner ce thème. C'est comme si y a un robinet de révélations ou de pensées qui coulent encore dedans de moi. Alors je vais essayer de revenir dessus pour aider trois, parfois une personne à nous rejoindre, parce que demain matin nous aurons encore des moments des proclamations comme d'habitude. Je vous invite déjà, pour ceux qui ne savaient pas,
tous les jours de 5h juste à 6h juste, nous avons notre culte matinal, des moments intenses de prière de feu où nous préparons la journée. Vous savez que la journée se prépare. Dieu a posé la question à Job, as-tu ordonné au matin? As-tu commandé au matin? Est-ce que vous savez que le matin, il faut donner des ordres? Est-ce que vous savez que le matin, il faut planifier les choses spirituellement? Alors, les habitués savent déjà, nous sommes là tous les jours. Et le Seigneur nous fait grâce, petit à petit, nous voyons sa main. Nous voyons comment nos ennemis sont en train d'échouer lamentablement. Et nous avons compris que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que quand un juste, c'est-à-dire un enfant de Dieu, qui est justifié par le sang de Jésus-Christ, prie. Cette prière-là, elle vaut plus que le bombe atomique. La prière du juste est tellement puissante, est tellement efficace que... En fait, je t'invite, si tu n'as pas encore expérimenté ces choses, essaie de nous rejoindre. Tu verras comment les choses se passent. Depuis que nous avons compris et que nous nous sommes mis à expérimenter la puissance de la prière avant, c'est-à-dire nous commençons la journée avec la prière, je vous assure que 90% de nos vies, il n'y a que des réussites. Et nous avons une paix assurée. Tout le temps, tu es dans la joie parce que tu sais que tu avais tout planifié. Alors, notre texte de base se situe dans Luc 22, à partir du verset 31 au verset 32. Je reviens pour aider nos bien-aimés qui viennent de se joindre à nous pour comprendre un peu de quoi nous sommes en train de nous entretenir. Nous avons intitulé notre grand thème « Vaincre les réclamations de l'ennemi ou les réclamations du diable par la prière ». Vous allez comprendre tout de suite là, au bout de 5 minutes. Je mérite avant tout, nous allons lire d'abord notre texte de la Bible, Luc 22, verset 31 à 32. La Bible dit ceci, « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille point. » Voyez, le Seigneur dit à Pierre, qui était l'un de ses disciples, qu'il aimait beaucoup, qu'il a été l'objet d'une réclamation satanique. Et nous avons dit que voir comment ici l'apôtre Pierre est réclamé, ceci nous démontre comment chaque enfant de Dieu est d'une manière ou d'une autre réclamé aussi dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le ténèbre fait l'objet des réclamations. D'ailleurs, pas seulement les enfants de Dieu, mais tout être humain. Comme je l'ai toujours expliqué, j'ai dit que en soi, le diable est l'ennemi, pas seulement des chrétiens, mais il est l'ennemi de l'être humain créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi, si tout le monde pouvait comprendre ces choses, on allait tous nous jeter, aller nous abandonner complètement entre les mains du Seigneur. Et nous avons dit que le grand problème, c'est quoi? C'est que l'ennemi essaye de persuader certaines personnes qui pensent. Ceux-là qui mangent avec lui, ceux-là qui cohabitent ensemble avec lui, ils pensent que le cœur du diable a changé, c'est-à-dire que la nature du diable a changé. Non, même ceux-là qui opèrent avec lui, il est toujours méchant envers eux, il restera méchant. C'est pourquoi je dis que le diable est l'ennemi de l'être humain. L'être du milieu, depuis que Dieu avait créé l'homme à son image, ça a suscité la haine, ça a suscité la jalousie de l'ennemi. C'est-à-dire que ces enseignements-là ne s'adressent pas forcément aux chrétiens, soi-disant, entre guillemets, à tout être humain, c'est-à-dire jaune, rouge, vert, blanc, gris, je ne sais pas, hein, tout ça.
Si tu sais que tu es un être humain, c'est-à-dire que tu as été créé à l'image de Dieu, tu fais l'objet de réclamations. C'est-à-dire quand l'ennemi te voit, même si tu manges avec lui, il est en colère contre toi. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 8, verset 5, la Bible dit, votre adversaire, le diable. Tu vois, on dit que votre adversaire, on n'a pas dit l'adversaire de Dieu tout autour de vous. Non, on a dit votre adversaire. Et j'aimerais souligner que le diable ne sera jamais l'adversaire de Dieu. Il est le singe de Dieu, il est l'imitateur. Il essaie de se cacher en imitant, excusez, certaines choses que Dieu fait. Mais il ne peut en aucun jour devenir ennemi de Dieu. Quand tu penses comme ça, tu es en train de rabaisser Dieu. Notre Dieu est tellement big. Il est tellement grand qu'il n'a pas de conquérant en fait. Il n'a pas de conquérant. C'est pourquoi les Écritures disent « votre adversaire, le diable ». C'est-à-dire qu'il s'adresse aux hommes, il s'adresse à l'homme créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que tu sois de n'importe quelle confession, tu fais l'objet d'une réclamation. Et là, nous voyons l'ennemi en train de réclamer une personne, un bras droit de notre Seigneur. Quelqu'un qui était censé être épargné par ces choses, mais il était l'objet d'une réclamation. Et nous avons dit, pour comprendre ces messages, nous avons essayé d'élargir, d'ouvrir un peu l'idée, commençant par le mot diable, c'est-à-dire que nous allons passer par l'analyse grammaticale des mots dans ce texte. Hein? Vous qui avez eu la chance d'être sur le banc des écoles, vous qui avez bac plus 18 plus 50, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. C'est-à-dire quand nous faisons l'analyse grammaticale de mots, nous prenons par exemple le mot diable. C'est-à-dire pour comprendre le mot diable, quand Jésus dit « le diable vous a réclamé », en réalité il voulait dire quoi? C'est-à-dire nous allons prendre des mots similaires à ces mots diable, c'est-à-dire des synonymes. Les mots qui ont un même sens que le diable. Les mots qui ont le même effet secondaire que le diable. Et nous avons donné plusieurs exemples pour essayer d'élargir un peu, ouvrir les liboké, comme on dit à Lingala, ouvrir les gâteaux à la disposition de tous. Nous avons dit que le diable signifie aussi la maladie. C'est-à-dire que tout ce qui nuit à l'homme, tout ce qui nuit à l'homme, ça s'appelle diable. Tout ce qui détruit tout ce qui est pour la destruction de l'être humain créé à l'image de Dieu, ça s'appelle diable. Exemple, des maladies, des diverses maladies que nous voyons aujourd'hui, ils ont la même fonction que le diable. Nous avons aujourd'hui, comme j'avais dit, l'ivrognerie. L'ivrognerie aussi fait le même rôle que le diable. C'est un mot parallèle au diable. Nous avons le péché tel que l'adultère, l'impudicité, les mensonges, la colère, la haine, ça s'appelle le diable aussi. La jalousie, ça s'appelle le diable. C'est-à-dire que tout ce qui a pour but détruire l'homme, affaiblir, paralyser l'homme, empêcher l'homme de pouvoir aller de l'avant, vivre ce que Dieu lui a promis, ça s'appelle diable. Alors je reviens maintenant pour actualiser le message, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si Jésus était là, il pouvait dire, par exemple, il pouvait dire « Jacques, au lieu de dire « le diable t'a réclamé », il aurait cité quelque chose parmi ces synonymes que je viens de détailler. Il pouvait dire « Jacques, la colère te réclame ». Jacques, la pauvreté te réclame. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que si tu veux comprendre la pensée de Christ, il faut essayer d'élargir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que nous avons au jour d'aujourd'hui plusieurs êtres humains. Laissez-moi parler des êtres humains, pas forcément seulement des. Parce que je ne m'adresse pas seulement aux chrétiens. Je sais que j'ai des amis musulmans qui me suivent, j'ai des amis orthodoxes. Hein, toutes ces confessions-là, j'aimerais que vous puissiez comprendre en fait la pensée qui est derrière. Chacun de nous aujourd'hui fait l'objet d'une réclamation quelconque, parfois au sein de sa famille, au sein de la société. C'est-à-dire le diable se déguise en une maladie, il se déguise dans la colère, il se déguise dans toutes ces facettes que je viens de détailler là.
pour vous réclamer. Parfois, il prend le visage de la mort. Il vous réclame en cette fin d'année. Il réclame tout le monde. Et c'est tout, je dis bien, tout être humain créé à l'image de Dieu qui fait l'objet d'une réclamation satanique. Le diable est en colère contre tout le monde. Même ceux-là qui tuent les gens, qui pensent qu'ils font du bien, mon ami. Même ceux-là qui ont prêté allégeance au diable, soi-disant, ils vont exécuter sa mission correctement. Il est en colère contre eux. C'est-à-dire, quand tu lui tournes le dos, il essaie de voir comment il va te paralyser, il va en finir avec toi. Alors, le grand problème, c'est que quand tu comprends que tu fais l'objet d'une réclamation, tu vas te tenir debout. Tu ne vas pas te comporter tel que tu te comportes là. Parce que certaines situations que nous sommes en train de voir, ce sont des séquelles, ce sont des effets secondaires de diverses réclamations qui ont commencé déjà à atteindre certaines personnes. Quand vous allez avec moi dans la Bible, dans le livre des Galates, je crois Galates au chapitre 3e, Galates chapitre 3, j'essaie juste d'exhorter et pour que nous allions dans la prière. Galates chapitre 3, alors, j'essaie de trouver rapidement. Galates, tu te caches où? Tu te caches où, Galates? Tu te caches où? Après Corinthiens. Rokoko Gaifiko. Voilà, il est là. Il est là. Ça, on avait appris ça à l'époque, quand on apprenait le 4 lois spirituelles. Comment chercher le livre dans les épîtres? Rokoko Gaifiko. Quand tu commences, Romains, les deux Corinthiens, Galates et Éphésiens, ainsi de suite. Voilà, je suis arrivé. Je vais lire. Galates chapitre 3, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Faisons la lecture ensemble. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous osiez de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Quand une personne ou quand la réclamation satanique atteint une personne ou quand une personne a été déjà prise au piège des réclamations sataniques, il y aura un recul, il y aura un stationnement. C'est-à-dire que vous allez remarquer la personne qui avançait avec le Seigneur, la personne qui allait de l'avant, la personne qui évoluait dans les choses de Dieu, il évoluait dans la crainte. Il aimait la sanctification. Il aimait la prière. Il aimait l'église. Mais à un moment donné, vous sentez un relâchement. Un relâchement, c'est-à-dire qu'un dégoût monte au-dedans de lui. Une nausée. Il ne veut plus entendre parler de la prière. Il ne veut plus entendre parler de l'église. Il ne veut plus entendre parler même de pasteur. Il ne veut plus entendre même les noms de pasteur. La Bible dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Vous avez bien commencé. Vous avez l'appétit de vous marier. Au début, vous avez demandé qu'on vous soutienne. Je veux me marier, frère, soutenez-moi, pasteur, soutenez-moi. Les pasteurs ont fait tout aujourd'hui. Tu es marié, tu as la maison. Mais au moment où je suis en train de parler là, tu sens au-dedans de toi comme s'il y a une force qui essaye de te sortir hors mariage. Est-ce que tu me comprends? C'est comme s'il y a une main invisible qui vient te tirer, qui te dit non, divorce, abandonne, retire-toi, rejette, répudie la femme. Non, est-ce que tu vois quand tu étais seul, tu vois tu étais plus à l'aise?
quand tu étais seul, personne ne te demandait. En fait, quand tu étais seul, tu pouvais aller en boîte de nuit, tu pouvais tout faire, tu ne rendais des comptes à personne. Et c'est ça les images, c'est ça les images que l'ennemi est en train de polluer tes pensées. Laisse-moi te dire que ça, quand tu vois ça, tu fais l'objet d'une réclamation satanique, bien sûr. Quand ces mauvaises pensées-là montent au-dedans de toi, c'est-à-dire que les choses qui devaient être honorées, respectées, pour vous, ça ne vous dit rien. Et comprenez que là, vous avez déjà été ciblé par l'ennemi. C'est-à-dire que ces choses-là sont en train de vous réclamer. C'est ainsi que vous verrez les divers enfants de Dieu, ils commencent à changer leur langage. Ils craignaient le péché. Mais tellement que c'est une racine, parfois il a hérité quelque part. Et cette racine-là est en train de le prendre. C'est-à-dire, il y a une lutte au-dedans de lui. Bien qu'il essaye de se décider d'abandonner, mais il y a une force qui essaye de le ramener, de lui dire non, toi tu dois rester ici, n'avance pas, reste ici. Et dans de diverses facettes. Pourquoi tu veux prendre cette décision? Hier, tu avais honte de te décider ainsi. Hier, tu allais d'abord aller en prière, demander à Dieu, poser la question au Saint-Esprit. Est-ce que c'est ce que je veux faire là? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Mais au jour d'aujourd'hui, tu même consultais Dieu. Parce que si on dit consulter les pasteurs, là, nous autres, là, on a déjà été cloués. Les pasteurs sont déjà cloués. Surtout cette année-là, 2017. C'est-à-dire, on a cloué pas mal des hommes de Dieu. On accepte. Mais même poser la question à l'Esprit de Dieu. Je vais prendre telle décision. Quel dis-tu de ça, Seigneur? Oriente-moi. Tu n'as même pas envie. Quand tu vois ça, quand tu constates ça, tu fais l'objet d'une réclamation satanique. C'est-à-dire que l'ennemi a déjà déclenché ses démarches. Il a déjà commencé. Il te réclame. Il veut te voir retourner dans cette ancienne vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il avait remarqué ce même problème chez les Galates. Il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Vous qui avez commencé dans la crainte, vous qui avez commencé dans le respect, dans la dignité, vous qui aimez les choses de Dieu, vous qui aimez la prière, mais quelle est cette moustique? Quelle est cette moustique-là? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? La réponse, c'est quoi? Ce sont des réclamations sataniques. Ça existe. Vous serez étonné au jour d'aujourd'hui des personnes qui tombent. Parfois, quand vous apprenez qu'il y a telle personne est tombée, chers amis, c'est-à-dire vous pleurez. Vous savez pourquoi? Parce que parfois il était distrait. Il a été distrait. Il n'a pas voulu savoir qu'il faisait objet d'une réclamation. C'est-à-dire il y avait un avis de recherche qui a été lancé contre lui. Un avis de recherche. L'ennemi est en train de te pourchasser. Il est en train de te poursuivre. Tu es un wanted, comme on dit en anglais, un wanted. C'est-à-dire que partout, ils ont affiché, ils ont mis tes images. Ils veulent à tout prix que tu rentres dans la pauvreté. Ils veulent à tout prix que tu rentres dans l'ivrognerie. Ils veulent à tout prix que tu tombes dans de maladies chroniques. Ils veulent à tout prix que cette ombre de la malédiction, cette malédiction-là qui est en train de détruire certaines vies au sein de ta famille, ils veulent à tout prix que toi aussi tu puisses être contrôlé. Et quand tu vois le stationnement, c'est-à-dire que les choses qui allaient bien, à un moment donné, pouf, ça s'arrête. Ma soeur, tu dois te réveiller. Mon frère, tu dois prendre une décision de chercher Dieu. Ça, on ne joue pas avec ça. Vous savez, comme je vous ai toujours dit, l'ennemi, quand il vous attaque, il ne rigole pas. Il est trop sérieux quand il fait des recherches pour avoir un enfant de Dieu.
quand il pourchasse un être humain, il est trop sérieux. Il s'organise à fond. Il néglige rien du tout alors. Tous les détails possibles sont contrôlés pourvu qu'il puisse abattre, détruire la vie d'une personne, d'un être humain créé à l'image de Dieu. Ces enseignements s'adressent à toute personne, c'est-à-dire aux êtres humains. Parfois vous êtes chinois, vous êtes, je ne sais pas, japonais, je m'adresse à vous. Je viens vous dire que vous faites l'objet de réclamations sataniques. Parce que nos sources, hein, nos origines ont été fondées sur des pratiques bizarres, sur des pratiques au jour d'aujourd'hui. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous regardez vos origines, mon ami. Alors que ce soir, je voulais juste te réveiller encore pour te dire que nous sommes arrivés au moment où on doit chercher la face de Dieu. Les réclamations sont là. Tout le monde sont réclamés. Un jour, le roi David a pleuré. Il a dit, pourquoi les héros sont-ils tombés? Pourquoi les héros sont-ils tombés? Les hommes, les femmes qui étaient censées rester debout, comment sont-ils tombés? Certains ont ignoré ces choses. Par orgueil, ils ne voulaient pas entendre ça. Par orgueil, ils se disaient que non, ça ne nous concerne pas. Non, écoute mon ami, la Bible dit que votre adversaire, l'ennemi, le diable n'est pas seulement l'ennemi ou l'adversaire de chrétiens, mais il est l'adversaire de l'être humain créé à l'image de Dieu. Point barre. Que tu pries ou tu ne pries pas, tu fais l'objet de réclamations. Il est en colère contre toi. Alors nous avons dit que le Christ nous a donné en même temps le remède. Un remède efficace, un remède puissant pour parvenir à s'en sortir dans ces choses. Ces remèdes, c'est quoi? C'est la prière. C'est-à-dire que quand au jour d'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, tu sens le désir de t'enivrer. Tu sens le désir de rentrer dans l'ivrognerie. Tu dois plonger, chercher, faire recours à la prière. Jésus a dit, le diable vous a réclamé. L'ivrognerie vous a réclamé. Mais comment j'ai procédé pour paralyser ces réclamations? Je suis passé par la prière. J'ai utilisé le remède qui s'appelle la prière. C'est pourquoi je veux vous inviter à prier ensemble avec moi. Nous allons prier comment? Notre prière, nous allons tourner tout autour de ces choses. Je crois que l'Esprit de Dieu est en train de vous enseigner, de vous parler. En ce moment-là, quand vous diagnostiquez, vous analysez votre vie, vous comprenez qu'il y a des caractères, il y a des habitudes anciennes qui commencent à revenir, qui commencent à réapparaître. Vous avez changé de langage les jours où vous avez prêté allégeance à Christ, les jours où vous avez dit, aujourd'hui, je prends la décision de te suivre, de porter la croix. Votre langage avait complètement changé. Mais pendant que je suis en train de parler là, ces choses-là commencent encore à retourner. Pourquoi? Parce qu'ils vous réclamaient. Ils vous ont réclamé. Et si vous n'êtes pas conscient, cela peut s'empirer, ça peut dégénérer encore dans votre vie. Parce que quand vous vous débarrassez de cette ancienne vie, elle s'en va. Là où il ira, elle va commencer à réclamer. Est-ce que tu me comprends? Rien que par la prière, tu peux avoir encore la force de paralyser ces réclamations. Parce qu'elles sont là. Comment un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui savait autrefois que commettre tel acte est un péché, au jour d'aujourd'hui, il commence à poser, à demander des versets qui condamnent cette chose-là.
hier de toi-même, ta conscience, l'Esprit de Dieu avait parlé, t'avait convaincu que ce que tu fais là était mauvais. Mais au jour d'aujourd'hui, tu veux engager des débats avec des pasteurs. Non, montre-moi c'est écrit où. Dis-moi c'est écrit où. Moi là, quand tu me demandes, je te dirai rien. Moi, je te donnerai pas le verset. Je donne pas. Il y a, avant de prier, je connais un grand frère du quartier où j'étais à l'époque au pays. Un jour, il est venu. Parce qu'à l'époque, quand il y avait le réveil commençait chez nous, là, on a eu la grâce d'être parmi les jeunes frères. Les gens se moquaient de nous quand on priait. Ils pensaient qu'on était des mendiants, des pauvres. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, Dieu fait la différence. Il est venu me voir. Il me dit, bon, on m'a dit que toi, tu pries. Donne-moi le verset. Non, qu'on fasse débat par rapport à la bière, tout ça. Et quand je commençais à parler avec lui, j'ai compris qu'au fait, le monsieur était déjà bien calibré. Hein? J'aime utiliser le mot calibré. Il était déjà bien calibré. Il avait au moins plus de 15 versets qui le soutenaient pour pouvoir sobrer dans l'ivrognerie. Quand j'ai donné le premier passage, lui, il a balancé des. J'ai dit non, avec celui-là, si on continue, on ne va pas aller plus loin. Je lui ai dit, ok, je crois que tu as assez de versets qui te donnent le droit de faire ce que tu veux faire. Continue, je t'encourage, mais moi je vais prier que le Saint-Esprit te parle. Chers amis, deux jours après, ce vieux est venu frapper chez nous à la porte à 6 heures du matin. Il revenait de l'église, il s'est converti. Il est venu me voir pour me dire, il a commencé à m'appeler pasteur à l'époque, je n'étais pas pasteur, il me dit, mais non, mais pasteur, j'ai abandonné, j'ai arrêté. Je dis, tu as arrêté quoi? Non, je ne prendrai plus la bière, je ne prendrai plus la bière. Lui, de lui-même, c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Et toi, tu étais comme ça. Tu savais de toi-même quand tu étais chez toi là, que, sans que le pasteur soit là, tu ne pouvais pas poser de tels actes. Au jour d'aujourd'hui, ce qui était mal, qui était mauvais, tu t'habitues, tu es en train de plonger encore en ça. C'est-à-dire que même la voix de l'esprit au-dedans de toi est étouffée. Et quand tu constates ça, c'est une réclamation satanique. Alors, je voulais juste vous ramener encore dans notre thème pour vous redonner, vous réexpliquer comment nous allons procéder dans nos prières. Nous allons essayer d'en parler point par point, aller en profondeur pour aider deux ou trois personnes. Même ceux-là qui ne prient pas, vous pouvez nous rejoindre pour un temps. Le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur veut vous épargner. Quelque part, il y a quelque chose qui vous réclame. Il y a des mauvaises habitudes qui vous réclament. Il y a des péchés qui vous réclament. Il y a la haine qui vient rentrer encore dans votre cœur. La Bible dit que quand une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais aujourd'hui, chez toi, là, c'est-à-dire que 90% des choses anciennes sont déjà là. Ils ont déjà repris place. Et quand tu vois ça, tu fais l'objet, c'est-à-dire tu es l'un des victimes. Alors ce soir, le remède que je t'apporte, c'est la prière. Nous allons prier. Nous allons détruire toutes ces réclamations. Et tu vas prendre une décision de ne plus reculer en arrière comme les Galates. Tu vas prendre une décision d'aller toujours de l'avant. Tu vas persévérer malgré ce que tu croises, malgré la réalité. Tu vas dire, Seigneur, moi je vais rester dans le mariage. Malgré ce que mon mari est en train de faire, malgré ce que ma femme est en train de faire, là, je vais rester une femme mariée, je vais rester un homme marié. Malgré cet esprit d'impudicité qui est en train de courir derrière ton mari, l'adultère est en train de réclamer ton mari. Faut pas les répudier, faut pas prendre une décision, mais entre dans la prière. Tu peux paralyser cette force là. Il n'était pas comme ça ton homme.
ton homme n'était pas comme ça. Ta femme ne parlait pas comme ça. Ta femme ne te répondait pas comme ça. Tu sais que quand tu l'as prise, et c'était une bonne femme, une femme vertueuse, mais au jour d'aujourd'hui, elle te tient la tête. Quand tu veux parler, parfois elle saute sur toi. Tu sais c'est quoi? Elle fait l'objet d'une réclamation. C'est-à-dire, il y a une force qui réclame ça de ta femme. Alors, si tu comprends au travers de ces enseignements, tu feras comme Jésus. C'est-à-dire que, à un moment donné, chacun de nous doit prier pour son compagnon, pour son ami, pour son frère, pour son père, pour sa mère, même pour son pasteur. Pourquoi? Parce que même ton pasteur, quand il fait l'objet d'une réclamation satanique, sa vie peut changer. Mais si tu es pressé de te retirer, alors que si tu faisais comme Jésus, tu allais sauver même ton pasteur. Si tu faisais comme Jésus, tu priais pour Pierre. Alors, laisse-moi te poser cette question. Qui est ton Pierre ce soir-là? Chacun de nous a un Pierre. Bon, si je dis une pierre, tu vas penser que c'est la pierre du... Hein? Non, pas cette pierre-là, pas les cailloux. J'ai dit une pierre personne. Qui est ton Pierre aujourd'hui? C'est-à-dire que tu vas prier d'abord pour toi. Ces réclamations sont dirigées vers Pierre, ton enfant, ton ami, ton mari. Et il est dirigé aussi vers Pierre. C'est-à-dire que même tes collègues de service, ils font l'objet de multiples réclamations. Mais par ta prière. La Bible déclare dans Jacques 4, verset 14 à 16, la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et j'aimerais m'associer à tous les justes qui me suivent. Maintenant, nous allons prier. Nous allons inviter le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fasse de nous des hommes et des femmes de feu. Maintenant, nous allons briser, nous allons paralyser toutes ces réclamations. Nous allons essayer d'aller tout doucement cette fois-là. Même pas avec des jeunes, mais nous aurons des prières intenses et nous allons continuer à prier pour ça jusqu'à ce que tu sois délivré, jusqu'à ce que tu aies la visitation de Dieu. Chaque fois, quand tu te tiens debout, tu prends une décision, quelques heures après, tu te retrouves déjà dans le même problème. Donc, tu fais l'objet d'une réclamation. Prie avec moi, remercie d'abord le Seigneur et invoque le Saint-Esprit. Dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Que l'Esprit de Dieu vienne te fortifier, te rendre capable de pouvoir prier. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Le remède sur ces choses, devant ces choses, c'est la prière. Si tu ne pries pas, cela peut être dégénéré. Mais si tu pries, tu vas le vaincre. Tu vas le vaincre certainement. Je mets ma foi à ta place. Tu vas le vaincre par la prière. Alors, on va inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit, invite l'Esprit des feux. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi.
réaliser leur réclamation. Les voix qui crient, qui te réclament dans le monde des ténèbres. Ce soir, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là. Il te rend capable, il te rend capable de triompher, il te rend capable de neutraliser les desseins du diable, les desseins de l'ennemi sur ta vie. Tu vas le paralyser ce matin, ce soir. Alléluia. Paralyse le plan du diable, paralyse le plan de l'ennemi au nom de Jésus. Ribo Chantara Baba Baba Baba. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Paralyse. Je disais à une personne de prier, paralyse, neutralise. Alléluia. Je vois le chêne tomber.
recommande ta famille entre les mains du Seigneur. Et qu'en cette fin d'année, que personne, aucun membre de ta famille, ne puisse être à la merci de l'ennemi, ne puisse faire l'objet de réclamations sataniques. Prions au nom de Jésus. Recommandons nos familles entre les mains du Seigneur. Père, je prie pour toute ma famille, la famille Nkoto dans le monde entier, Seigneur. Je prie pour mes frères, mes soeurs, mes neveux. Je prie pour mes parents, Seigneur, dans tous les coins du monde. Je prie que ta main, que ta protection, Seigneur, puisse être sur chacun des membres de ma famille, au nom de Jésus. Je prie qu'ils puissent être à l'abri, que ma famille soit à l'abri des tirs de l'ennemi, des réclamations sataniques, de la mort qui est en train de tourner tout autour de nos foyers, de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le sang de Jésus-Christ couvre chacun de mes amis d'enfance, mes collègues de travail. Je prie, Seigneur, que ta main puissante couvre, garde toutes mes connaissances, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'aucun de mes amis, qu'aucun de mes portes de service, qu'aucun de chefs de travail, Père, ne soit à la merci de l'ennemi en cette fin d'année, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour l'Église corps de Christ. Je prie pour tes serviteurs, tes servantes. Je prie pour tout le chant et les adorateurs que tu as élevés, Seigneur, ici en France, dans la francophonie, Père. Je prie, Père, que ta main, que ta protection soit sur chacun, au nom de Jésus. Que celle ou celui qui faisait l'objet d'une réclamation satanique, que celle ou celui qui était réclamé dans le monde des ténèbres, Père, je prie maintenant que ta main puissante, tu as dit que ta main n'est pas courte pour agir. Père, touche, délivre, guéris, Père. Épargne dans les accidents, épargne devant la mort, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour tous nos bien-aimés qui sont malades dans les hôpitaux, Père. Ceux qui ont peur, ceux qui voient, ceux qui sentent l'odeur de la mort, je prie. La Bible déclare que par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Je prie maintenant que la puissance de la guérison, que la puissance de la guérison opère un miracle dans la vie de celle ou celui qui m'écoute, qui me suit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont malades puissent obtenir la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, restaure la vie de chacun de nous. Que les portes de tes faveurs, Père, s'ouvre maintenant devant chacun de nous. Je prie, je recommande cette union entre tes saintes mains. Et j'abandonne notre programme matinal entre tes saintes mains. Nous croyons, Seigneur, que tu vas nous réveiller, que tu vas nous redonner encore le souffle de vie, afin que nous puissions venir te louer, car tu n'es pas un Dieu de mort, mais tu es un Dieu de vivant. Laisse que chaque maison qui nous ont suivis maintenant, Père, puisse bénéficier de cette faveur. Au nom puissant de Jésus, nous fermons la porte à l'ennemi, nous fermons la porte au diable, nous fermons la porte aux attaques de l'ennemi, au nom de Jésus. Maintenant, que nos maisons soient couvertes par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit, et que cette nuit soit bénie, loin de nous, tout cauchemar, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous donne rendez-vous à 5h pile pour notre culte matinal. Récoutez les messages, partagez, invitez vos amis, afin que demain à 5h, nous puissions passer encore du temps pour proclamer, pour prier. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci. Bonne nuit à chacun. Ciao, ciao, à 5h.